Salam alaikum les petits moustakim. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien? Alhamdulillah. Hein? Faut toujours dire? Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, contrairement à d'autres jours, on n'est pas en train de jouer à la tablette, on n'est pas en train de regarder la télévision, on n'est pas sur YouTube. Sur les iPhones. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On joue dehors. On joue dehors. Eh oui. Jouer dehors, c'est bien parce que, premièrement, ça nous fait prendre l'air. Et deuxièmement, ça nous aide à faire quoi? Voir de la méditation sur Allah. Oui, à méditer sur la création d'Allah. Quand on médite sur la création d'Allah, on voit que Allah est le plus grand. Juste regardez l'arbre qui est en arrière de nous, voir comment est-ce qu'il est fait. Regardez la neige, comment que c'est les petits flocons qui brillent, hein? Comment est-ce que c'est incroyable? On peut voir que Allah, c'est le plus grand. Et puis, créer ça, vous voyez, comme le ciel, la terre, et tout ça, comment est-ce que c'est beau? Il n'y a rien de plus beau que la nature. Il n'y a rien de plus beau que la création d'Allah. Alors, Naturella, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité quand on est dehors? Du ski de fond. On peut faire du ski de fond. Et quoi d'autre? De la luge. On peut faire de la luge. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire dehors, même quand il fait froid. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il fait froid. Il fait comme moins 28. Donc, il fait froid. Alhamdoulilah. Après une belle journée à l'extérieur, un bon chocolat chaud. On peut voir aussi... des animaux. On peut voir des animaux. Eh oui. Quelle sorte d'animaux? Des petits Suisses. Des petits Suisses. Et quoi d'autre? Des oiseaux. Des chevreuils. Et des pics-bois. Tout ça, on a vu tout ça aujourd'hui, hein? Oui. Et en plus, les oiseaux ont mangé dans ta main. Le chevreuil a mangé dans ta main. C'était incroyable, non? Oui. Donc, méditer sur la création d'Allah, c'est juste de prendre le temps de regarder n'importe quoi qui est de la nature, n'importe quoi qui est de la création d'Allah, que ce soit les animaux, que ce soit juste le ciel ou les nuages, de regarder et de réfléchir. Même des fois, les nuages font des formes. Ouais, les nuages font des formes. Comme des canards. Ouais. Mais c'est ça, c'est de réfléchir qui est-ce qui a créé ça et comment ça a été créé. Et juste ça, ça nous rapproche d'Allah et ça nous augmente notre foi. Ça nous augmente la croyance en Dieu. Donc, au lieu de rester à l'intérieur de la maison, Inch'Allah, les petits moustakim, sortez dehors, prenez l'air et méditez sur la création d'Allah. Donc, à la prochaine, les petits moustakim. Assalamu alaikum. Wow, regarde, les étoiles, j'aime ça méditer sur la création. Évidemment.